Mais c'est de la folie! Pourquoi? Mais on bave tous en l'air! Mais c'est comment, vous êtes... Je rentre comment? Ok, c'est bon. Qui était garé là, ils les ont compressés. Attendez, ça calmez-vous, dire... monsieur, calmez-vous. Regardez, il y a des enfants, calmez-vous. Mais qui c'est qui a fait ça? C'est pas possible. Et celle-là aussi, là. Ah, oui, c'est la politique du département, ça, monsieur. Ils font ça souvent. Qu'est-ce que c'est le mais numéro? Mais comment ça? Mais c'est comment? Moi, j'ai plus de voiture. C'était ça votre voiture, mais monsieur? Oui, c'était ça ma voiture. Il y a tout à l'intérieur. C'est comment? J'ai tout à l'intérieur. Mais quoi, putain, c'est pas possible. Mais c'est quoi, moi? On va me la rembourser, ma bagnole! Bah, y a la prime à la casse, je pense. Mais quelle prime à la casse? Elle était quasiment bien, elle avait rien, cette voiture! Ça va pas ou quoi? Qu'est-ce qu'il... Autorité réglementaire pour l'équilibre automobile. J'écoute. Oui, c'est quoi ça? J'ai un avis de compression de ma voiture. Oui, vous étiez garé où, dites-moi? Mais j'étais garé sur le parking Val-d'Europe, là, c'est quoi cette histoire? Votre véhicule rentrait dans le plan de réduction du parc automobile. Mais pourquoi? Mais on m'a prévenu! Et en plus, j'ai mes affaires à l'intérieur, comment je les récupère maintenant, moi? J'ai un sac à l'intérieur, je le récupère comment? Il est où, mon sac? Mais c'est de la folie! Calmez-vous, monsieur, calmez-vous. Mais non, je me calme mais pas! J'ai besoin de ma voiture! Je dois repartir chez moi, comment je fais? Vous écoutez, là, vous n'avez qu'à louer une voiture, c'est devenu hyper simple! Puis franchement, votre voiture, vous n'avez pas vraiment besoin. Surtout une voiture rouge, c'est tellement années 80. Mais ça va pas la tête, mais je peux plus lui parler à elle! Mais non, mais ça va pas la tête, elle me raconte une économie! Je rentre comment? On rentre en bus ou on va vous trouver mais quelque chose? Mais je veux pas rentrer en bus, putain de merde! Là, vous pouvez pas monter là-dessus, hein. Non, bravo. Bien joué, franchement bien joué, parce que putain comment je me suis fait prendre sur ce goût, c'est génial, vraiment bravo, génial, parce que putain quand on voit ça, on se dit vraiment on est chez les malades mentaux.